Apportez le tonnerre. Explorons l'arc 3.0. Comme l'inévitable éclair qui suit les nuages d'orage, l'heure de l'arc 3.0 est enfin arrivée. Donc c'est le cryo 3.0. Hop. La lecture. Parfait. En 2022, le tri original de sous-classes élémentaires qui alimente les gardiens en Estinie 2 a subi une refonte majeure. Alors, l'Abyssal a été la première sous-classe à bénéficier du traitement 3.0 avec les... Vous savez, la saison de Hunted a accueilli Solar 3.0, donc celle du moment. Et bientôt, il sera temps pour les porteurs de Cryo de recevoir leur mise à niveau. L'équipe de développement de Destiny 2 a travaillé dur sur cette refonte de la sous-classe, s'assurant que la nouvelle version de la sous-classe Cryo apporte le tonnerre. Ayant mené des refontes de sous-classe avec Abyssal et Solaire, l'équipe a passé beaucoup de temps à se concentrer sur l'essence de ce qu'est une refonte de sous-classe, s'assurer que chaque aspect du gameplay et chaque capacité et fonctionnalité s'intègrent dans le fantasme du joueur. Pour y arriver, tout commence par l'inspiration. Cryo est vraiment juste. Allez vite et frappez des trucs. Ah putain, c'est ça, c'est que parfois ça n'a pas trop de sens. En... Mais bon, on s'en fout. A déclaré le concepteur de Destiny 2, Sam Dunn, interrogé sur le fantasme de base qui alimentait la refonte Cryo. Nous l'appelons la sous-classe Old W. Tout est construit autour d'aller de l'avant et de permettre l'agression de ses capacités. QWERTY, oui, du coup, Old W, c'est vraiment. Comment vous traduire ? Ça vient de l'anglais sur un clavier QWERTY. Du coup, vous appuyez sur W pour avancer. Du coup, ouais, c'est. Celui-là, il faut le savoir. Propulsant cet objectif à grande vitesse et à fort impact, l'un des principales aspirations du Cryo 3.0 était le film d'action de 2009, Crank 2 High Voltage. C'est pas avec Jason Statham, ça? Où le mec est tout le temps à fond et s'il s'arrête d'être actif, son cœur il s'arrête. C'est pas ça en vrai? Ah, salut Tugman. Petit missile, you know, j'avoue. Attendez, je préfère vérifier, il me semble que c'est avec Statham et que c'est ce film-là. Là. C'est exactement ça, Hypertension 2 en français. Ok, c'est bien ça. Ok, je sais, la comparaison est chelou, mais why not. le film d'action fou, ah bah c'est écrit à côté, Statham dans le rôle d'un ancien tueur à gage dont le cœur a été volé et remplacé par une batterie. Putain, je suis con, c'était écrit juste là pour rester en vie. Statham doit garder son corps chargé électroniquement de manière de plus en plus scandaleuse. C'est non-stop, c'est implacable et c'est un excellent point de départ pour le fantasme que l'équipe voulait réaliser. Et bah écoutez, pour le moment en tout cas, la description correspond à 100% à ma manière de jouer, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Moi j'adore quand ça rush, quand on fonce dans le tas. À savoir une vitesse de fermeture ridicule et un impact maximum à l'arrivée. Ok. Nous avons eu beaucoup d'idées sur « Oh, vous obtenez ce buff et ensuite, tout comme le cœur de Jason Statham, vous devez le garder en restant dans le combat. » Pour le moment, ça me plaît, déclarait le concepteur de Destiny, Mike Humboldt. Au fur et à mesure que le design évoluait, nous nous sommes un peu éloignés de cela simplement parce qu'il est difficile d'y parvenir dans le gameplay de Destiny où vous supprimez 75 monstres dans une pièce, puis traverser un couloir, mais c'était le fantasme émotionnel. Ah, putain, ils ont dit c'est ce qu'on aurait aimé. Et au final, ils m'ont fait, tu vois, l'ascenseur émotionnel. Enculé. Vivre à la limite. Ok, bon. Si le missile disparaît, tu vas avoir un arrêt cardiaque. Je comprends. Alors, les gardiens qui ont passé du temps avec les versions remaniées de Abyssal et Solaire, ou avec Stasis d'ailleurs, la Stas pardon, connaissent les bases pour savoir par où commencer avec l'arc 3.0. C'est ça, en gros, c'est il va y avoir les trucs un peu habituels avec les grenades, les choses comme ça. Moi, j'aime bien les grenades, je crois que c'est Impulsion que ça s'appelle. Ça doit pas être ça, je sais plus. Je vous dis, moi, j'ai tellement joué Destiny longtemps en anglais que je confonds tous les termes. Mais en gros, c'est la grenade que vous jetez qui fait une espèce un peu de rond, de pas de, de bulle au sol et qui explose plusieurs fois, en fait. Voilà, celle-là que j'adore, je pense que je vais vraiment jouer celle-ci. Même s'il y en a une traqueuse un peu qui peut être sympa, mais je pense que je vais plus jouer celle-ci. Bref, on s'en fout. Comme pour ces autres options de sous-classe, le Cryo 3.0 donnera aux joueurs plus de flexibilité pour personnaliser les pouvoirs de leurs gardiens en fonction de leur style de jeu, grâce à l'introduction d'aspects et de fragments. Le grand classique. De plus, de nouvelles capacités de classe et de mêlée ont été créées ou remaniées pour le bac SF Destiny de manière. Il faudra avoir le coup d'épaule. Le coup d'épaule peut être cool. Ce qui fait que ça pourra rendre le greffe des pèlerins, je crois que c'est ça, où quand vous sautez et que vous faites un coup d'épaule, vous faites beaucoup plus de dégâts. Rendre la sous-classe plus puissante que jamais. Ok. Allumer de nouvelles capacités. Avant de nous plonger dans les capacités arc spécifiques à la classe, parlons des buffs et des debuffs qui sont essentiels à l'expérience Cryo 3.0. Je vais baisser un peu la musique si ça vous gêne pas. Vous savez quoi, je vais même mettre pause. Alors, tout d'abord le nouveau buff, amplifié, qui est la clé de l'expérience Cryo 3.0. Un gardien amplifié est plus rapide, à la fois en termes de vitesse de déplacement et de maniement de l'arme, ok, c'est super, et plus agile, capable d'effectuer... du coup, bah, ça va être, je pense qu'il faudra miser sur, vous savez, la mobilité peut-être. Si ce buff est vraiment pété, comme avec la résistance, avec le solaire là, et le titan, du coup, je pense qu'il va falloir miser sur la mobilité. Un gardien amplifié est plus rapide, donc bref, qui peut fonctionner comme une configuration dévastatrice pour certaines des attaques qui suivent, contrairement à d'autres buffs du type de dégâts. Invisibilité de l'abyssal ou radiance du solaire, les joueurs n'ont pas besoin d'équiper d'aspects ou de fragments spécifiques pour être amplifiés. Ok, ça c'est con,
mais c'est un point important, je pense. Par défaut, toutes les classes cryo sont amplifiées après avoir vaincu rapidement des cibles avec des dégâts cryo, des aspects de... et les aspects, pardon, et fragments équipés offrent des moyens supplémentaires de devenir et de bénéficier d'être amplifiés. Ok, en gros, vous l'obtenez naturellement juste en jouant et après vous pouvez le booster avec des fragments et des trucs. Ok. Après avoir sprinté pendant quelques secondes, un gardien amplifié gagnera une autre vitesse, comme l'a dit le concepteur, essentiellement aussi vite que nous pouvons faire avancer notre animation de sprint. Gagnons un buff de résistance aux dégâts PVE, ok, intéressant, donc la résistance peut être aussi intéressante à monter, considérable et permettant une capacité de glissement encore plus longue. Imaginez le mode booster de vitesse Metroid complet. Ah oui, alors là, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent le jeu Super Metroid ou autre, seul Samus brandit maintenant Galahorn. Même si un joueur n'est plus amplifié, tant qu'il continue à sprinter, le buff speed booster restera actif. Ok, ça, sur le papier, en tout cas, je dis bien sur le papier, c'est intéressant ce truc de, on veut une doctrine où tout est rapide, quoi. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous allez être super rapide, agile, vous allez glisser plus longtemps, etc. À titre personnel, ça correspond plutôt à mon style de gameplay. Pour le moment, ça me parle. C'est vrai que les gens qui aiment bien juste jouer, par exemple, avec des éclairs ou des impulsions un petit peu à distance, etc., et que se servaient surtout de leurs compétences pour du soutien, par exemple, pour maîtriser un peu des ennemis qui vous rushent, etc. Je sais pas si ça vous parle pour le moment, ce genre de truc. Mais pour moi, c'est plutôt pas mal. Alors, en développement. Speed Booster m'a probablement pris le plus de temps embarqué dans la mesure où vous avanciez déjà plus vite pour commencer. Interrogé sur le processus de développement et d'affinement des verbes pour le Cryo 3.0, ajouter une résistance aux dégâts PVE à Speed Booster pour en faire un puissant outil de réduction des écarts et le voir utilisé pour passer d'une couverture à l'autre lors des tests de jeu m'a vraiment apporté tout cela. Vous commencez à sprinter, puis vous entendez cette houle audio commencer à monter, puis vous êtes comme un moteur à réaction propulsant autour de l'arène, c'est génial. Il s'emballe, il vend son truc, encore une fois sur le papier, ça sonne bien, à voir ce que ça donnera dans la pratique. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs, j'espère que ça ne va pas créer un truc trop bizarre, ou ce que je vois tout de suite les bugs qui pourraient arriver à cause de ça, ou justement vous allez trop vite, vous vous cognez contre un mur, ça va vous tuer. Vous connaissez ce truc quand vous avez une vitesse qui dépasse un taux initial, chaque mur que vous tapez en fait vous crevez, etc. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trucs dans ce genre, mais on part du principe qu'ils l'ont bien fait. Ok. Du côté des debuffs, Cryo 3.0 en amène deux à la tête, blind, donc aveuglement, et sursaut. Les adversaires aveuglés en PVE ne pourront pas voir naturellement et seront également désorientés et incapables de tirer avec leur arme. En PVP, les adversaires aveuglés verront leur écran blanchi et leur HUD supprimé pendant une courte période de temps. Mais ça, c'est déjà le cas avec la grenade aveuglante Void, il me semble. Avec un effet sonore de sonnerie simulant le bourdonnement dans les oreilles après l'explosion d'un flashbang. Ah, les bâtards. Ok. Les adversaires secoués qui sont endommagés enverront périodiquement des éclats de chaîne d'éclairs aux ennemis proches, les endommageant dans le processus. Ok, ça c'est cool. Cryo 3.0 démocratise également les traces ioniques qui n'étaient auparavant disponibles que pour les démonistes de l'arbre intermédiaire. Désormais accessibles à tous, les traces sont des objets qui, une fois collectés, ajouteront de l'énergie pour toutes vos capacités. Donc, c'est un petit peu les boules là, qu'il y a au sol. Je pense que ça c'est du classique. Par contre, ça pourra faire partie du build, je pense, essayer de booster ça pour faire en sorte... Comme d'hab, hein, moi, mes builds, tous les builds que je vous ai fait, les vidéos builds, c'est vraiment chaque action que vous faites... Je sais pas, faire un frag, tirer sur un ennemi, le buter à la grenade, utiliser votre super, ça doit être une action qui vous permet de récupérer toutes vos capacités. Moi j'ai entendu Metroid et Samus dans la même phrase, encore heureux, j'avoue. Si c'est bien ce que je pense, ça va être énorme. Si c'est ce que je pense aussi, ça peut être énorme. Maintenant, spécifiquement au chasseur. Ok, un chasseur se précipitant vers l'avant, crépitant avec la puissance de la foudre d'arc, est un spectacle qui ne manquera pas de semer la peur dans le cœur de n'importe quel ennemi. Ouais, ça, chasseur, on se foutra de sa gueule dans tous les cas. Comme pour les précédentes refontes de sous-classe, l'équipe avait des images précises en tête lorsqu'elle réfléchissait à ce que le nouveau cryo devrait ressembler au combat. Pardon. Pour le chasseur, l'équipe a imaginé le moine guerrier gracieux, donnant au hunter la possibilité de se rapprocher rapidement et efficacement, de gâcher ses adversaires dans le processus. Ouais, bon, tuer, etc. Je pense que du coup l'espèce de pole dancer là pourrait être intéressant, j'espère en tout cas, parce que c'était vraiment une doctrine au début de Destiny 2 qui était vraiment cool, ce truc avec la, je crois que c'était arrivé avec Renega d'ailleurs, je sais plus trop, bon bref, mais c'était vraiment un truc plutôt chouette, et j'espère que du coup l'arc 3.0 va ramener ça. Pour les chasseurs, nous voulions récompenser le fait de rester à proximité, d'être en sécurité lorsque vous êtes à proximité. Cette phrase est très bien, bon, bref. Ce qui est très difficile à faire dans une grande partie de notre contenu, a déclaré Humble. Nous voulions leur donner des outils pour rester en vie pendant qu'ils comblaient l'écart ou étaient dans un combo de mêlée. Cela est venu principalement sous la forme de leur donner des outils de contrôle des foules. Ok. Enfin, quand je disais le pole dancer, c'est celui qui arrive après. Vous savez, vous pouvez faire tourner un petit peu votre bâton pour envoyer les dégâts, etc. J'ai l'impression que
Celui-ci risque d'être... Je le trouvais pas si intéressant que ça quand il est sorti. Là, peut-être qu'avec tout ce qu'il nous annonce depuis tout à l'heure, celui-ci pourrait du coup être intéressant de renvoyer des espèces de dégâts, cryo, etc. Enfin, on verra ce que ça donne, mais ça peut être intéressant. Donc ça, je l'ai lu. À cette fin, le Hunter Arcstaff Super est de retour. Avec Arcstaff, les chasseurs pourront bloquer et dévier les projectiles. Voilà, c'est ça. En appuyant sur un bouton, enfin, ainsi qu'effectuer une esquive blindée ou en esquivant, le chasseur est plus résistant aux dégâts entrants. Bon, ok, pourquoi pas. J'aurais bien vu aussi une esquive qui fait l'équivalent d'une grenade aveuglante, mais je pense que du coup, il l'aura déjà lui-même, la grenade aveuglante. Et ça aurait été cool. Vous esquivez près d'un ennemi, ça l'aveugle. Ça, pour le coup, ça aurait été vraiment chouette. Salut, Yukiwi. Mais un super ne semblait tout simplement pas suffisant pour l'équipe, d'où l'introduction d'un tout nouveau super sur le thème du cryo, le Gathering Storm, donc... comment vous le traduire, la tempête... putain, je l'ai, mais j'arrive pas à trouver le mot, attendez. C'est, ça m'arrive très souvent, où je vois ce que ça veut dire, mais je trouve pas le mot en français. Ouais, le rassemblement... ouais. La rencontre tempête... Bref, la collecte... Bref, en gros, un truc qui bourre sa race sous forme d'orage. Vous voyez ça comme ça. Ici, le chasseur saute dans les airs, jetant son bâton dans le sol ou dans un ennemi malchanceux comme une lance. Lors de l'impact, le bâton émet une rafale de dégâts qui secoue les ennemis proches. Peu de temps après, un éclair géant frappe le bâton et le surcharge, créant une grande zone de dégâts autour de lui pendant plusieurs secondes. Lorsqu'il est surchargé, le bâton envoie des arcs de foudre pour endommager tous les ennemis qui se déplacent à proximité. Ça, ça me plaît. Putain, ça a de la gueule. Sur le papier, ça a beaucoup de gueule. Ok. Ça, ça donne envie de jouer ce truc. Vraiment, ça a l'air vraiment cool. Certes, c'est un peu une zone, on dirait une espèce de flèche abyssale, c'est-à-dire que ça focus qu'une zone précise. Mais putain, par contre, les ennemis qui sont pris dedans, ça a l'air de faire du sacré dégât, quoi. Ok. C'est pas comme le marteau, par exemple, du titan, où certes, ça fait des dégâts sur une zone donnée, mais vous pouvez lancer des marteaux à plein d'endroits possibles. À vous lancer un bâton à un endroit précis, mais par contre, tous les ennemis dans ce rayon se font littéralement enculer, quoi. Ok. Du côté de la mêlée, l'équipe a conservé la capacité de coup combiné du chasseur, se sentant comme si elle correspondait parfaitement au fantasme du guerrier gracieux qu'elle recherchait. Tuer avec Combination Blow, donc c'est ce fameux truc qui fait des dégâts, en fait, vous faites des combinaisons de dégâts de mêlée, cryon, en fait, tout simplement. Remboursera l'énergie d'esquive, putain, c'est abusé, augmentera les dégâts de mêlée, donc ça c'était déjà le cas là-bas, c'était un stack de x3 dans mes souvenirs. Et restaurera une petite quantité de santé. C'est complètement abusé. D'ailleurs, il y a... Je dois l'avoir là, je vais vous le dire tout de suite. Il y a un exotique de chasseur qui augmentait cette capacité-là, qui s'appelle... Je dois l'avoir quelque part ici. Poignée de main des menteurs, hein, je crois que c'était ça. Il me semble que c'est celui-ci. Confirmez-moi, je ne vais pas chercher trop longtemps, parce que cette vidéo, je vais la remettre sur YouTube. Mais il me semble que c'était Poignée de main des menteurs. Éclat de Galanor... Poignée de main des menteurs, est-ce que c'est ça? En utilisant votre attaque de mêlée cryo électrique ou en ayant subi une attaque de mêlée, vous pourrez effectuer une contre-attaque puissante qui vous rendra des points de vie, c'est ça. Donc, du coup, ça avec le. Avec ce qu'ils disent là, ça peut être intéressant. Les chasseurs pourront choisir parmi trois aspects de cryo pour personnaliser leur style tactique. État de flux, vaincre un adversaire secoué vous rend amplifié. Ok. Lorsqu'elle est amplifiée, l'esquive du chasseur se rechargera plus rapidement et vous rendra plus résistant aux dégâts et vous aurez des temps de rechargement plus rapides. Cool. Assaut, tempête d'assaut, un truc du genre. Permet au chasseur d'effectuer une mêlée glissante qui lance une vague d'arc au sol. Bah ça, on le connaissait, ça y était déjà. Infligeant des dégâts importants et secouant les ennemis sur son chemin. Courant mortel. Après avoir esquivé, la portée de la fente de mêlée du chasseur est augmentée. Sa prochaine attaque de mêlée secoue la cible et crée une réplique éclair dommageable. Lorsqu'il est utilisé avec l'arc staff super, après avoir esquivé, la prochaine attaque légère du chasseur frappe deux fois. Putain, de plus, frapper un ennemi secoué après une attaque de mêlée l'aveuglera. Ah bah ça c'est chouette, c'est ce que je vous le disais un peu tout à l'heure, j'avais parlé d'esquive mais du coup c'est l'attaque de mêlée. Ok, moi j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-ci. Et enfin et surtout, Arc 3.0 ramènera également le mode de mouvement Blink. Oui, enfin, quelle putain de bonne nouvelle. Ah putain, Blink c'est... putain comment ça s'appelle d'ailleurs en français? C'est sur l'arca, c'est pas clignotement, enfin c'est l'espèce de saut un peu téléporté. C'est une espèce de saut où... vous voyez votre personnage qui se téléporte un peu, qui disparaît en fait, qui devient visible et qui réapparaît. C'est ça le Blink. Et putain, sur le chasseur cryo dans Destiny 1, c'était exceptionnel. Putain, ça c'est une très bonne nouvelle. Le saut TP, merci, c'est exactement ça. Merci Hélène aussi pour ton follow, pardon, j'avais pas vu. Ah, ça c'est trop bien, putain. Blink n'a pas vraiment été touché depuis la sortie de Destiny 2, n'a jamais tout à fait atteint les sommets de son précédent règne de terreur. Nous avons pensé que c'était le bon moment pour revenir un peu en arrière sur quelques-uns des changements de réglage, augmenter la puissance de base de Blink sans avoir besoin d'un équipe. Mais il était déjà là, Blink? What? Attends, il était déjà là?
Attends, j'ai badé de ouf. Ouais, sur le Warlock, on est d'accord, mais il n'était pas sur le... Voilà, c'est ça. Il n'était pas sur le chasseur. Abyssal, ok, on est d'accord. Il n'était pas sur le chasseur. Démoniste, du coup, c'est le Warlock. Ok. Concrètement, cela signifie une distance de déplacement accrue et un modèle de recharge retravaillé pour la capacité qui la gardera fraîche tout en conservant son efficacité. Ok. On verra ça. Démoniste, bah c'est le vrai nom de Warlock, hein, pour le coup. Ah, je vous dis Google Trad, mais bon, la dernière fois, c'est vrai que la traduction était un peu bancale. Je m'en excuse, je préfère à la limite retravailler les termes du Google Trad. Mais bon, allez. Les fantasmes des joueurs ne sont pas plus vivants que ce que l'équipe avait en tête pour le Warlock 3.0, machin. Deux images distinctes étaient en tête, le chaman de la foudre et l'empereur Palpatine, en mode plein doigt de foudre tout en transformant Luke Skywalker en tosse brûlée. Ok. Nous voulions que le joueur ait l'impression de canaliser la puissance de la tempête à travers son corps, a déclaré Dunn. Contrôler la tempête, contrôler la foudre comme un conduit élémentaire. Deux supers seront disponibles pour les arcanistes. Chaos Reach, où les joueurs pourront tirer des faisceaux concentrés d'énergie électrique de leurs mains pour décimer leur adversaire. Ok. Et bah c'est le Kamehameha qu'on a déjà, ça. Et Storm Strength, qui ressemble plus à l'image de Palpatine flottant autour du monde, tirant l'électricité de leurs doigts. Super combine à la fois le comportement landfall de... électrique de niveau inférieur précédent, créant une onde de choc dommageable sous le joueur, et le comportement Ionic Blink de l'ancien arc de l'arbre supérieur permettant au Warlock de se téléporter brièvement pendant le super. Ok, donc c'est bien ça, c'est l'espèce de mini saut TP du Warlock pendant le super. Ok, jusqu'ici, aucun problème. C'est des trucs qu'on connaît. Les arcanistes auront deux mêlées disponibles, toutes deux utilisant la puissance de la foudre. La mêlée Ball Lightning enverra une boule flottante d'énergie cryo qui explose, zappant les ennemis d'en haut. Okay. Et Chain Lightning enverra des arcs de foudre pour frapper et secouer la cible principale et enchaîner les dégâts aux ennemis environnants dans le processus. Ok, comme son nom l'indique, une chaîne de lumière. Donc, ok. Le truc du Warlock, c'est que le fait d'être amplifié modifie ses capacités. Cela les alimente. A déclaré Dunn. Pour Ball Lightning, que en gros l'espèce de boule flottante d'énergie là, si vous êtes amplifié, donc on rappelle juste faire quelques frags, etc., va vous permettre de vous amplifier, donc on rappelle se déplacer plus rapidement, etc., plus spécifiquement pour le Warlock, le fait d'être amplifié, la balle cryo s'envolera et zappera les ennemis trois fois au lieu d'une seule fois, ok, pourquoi pas, afin que vous puissiez en tirer plus de dégâts, ok, cool. Pour Chain Lightning, il s'enchaîne à plus de cibles. Tout simplement, ok. Plus précisément, alors que Chain Lightning normal crée un seul ensemble de chaînes qui rebondissent entre un ensemble de nombre de cibles, lorsqu'il est amplifié, la capacité créera deux ensembles de chaînes et peut potentiellement sauter à deux fois le nombre d'ennemis. Putain, intéressant. Combinaison des deux pales. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, Yukibo. Trois aspects seront disponibles pour les arcanistes. Arc Sold, donc l'arcaniste lance une faille pour créer... En fait, c'est, vous savez, c'est la petite boule cryo quand vous mettez une faille qui est à côté de vous, qui apparaît. Qui aidera le joueur au combat. Les alliés qui traversent la faille gagneront également, donc c'est toujours la même chose. La faille se charge plus rapidement lorsque les alliés sont proches. Lorsqu'elle est amplifiée, toutes les âmes électriques que vous possédez ou gagnez suralimentées, ce qui augmente sa cadence de tir. Ok, en gros, si vous êtes amplifié, vous avez une cadence de tir supplémentaire. Cool. Lightning Surge. Le démoniste active sa mêlée tout en glissant pour se transformer en une boule de foudre et se téléporter vers l'avant, appelant un champ d'éclair au point de sortie qui secoue les cibles. Secoue, je pense que c'est le terme un peu aveuglé, vous savez, ça les perturbe en fait. Ça les stun, je pense que c'est ça. J'espère que je me trompe pas, mais pour moi, c'est vraiment le fait que ça les, vous voyez, ça les stun un peu, ça les étourdit, ça les aveugle pas non plus, ça les perturbe pas non plus, mais ça les, voilà, ils sautent un peu en arrière. Moi, je le vois comme ça. Esprit électrostatique, la capacité cryo tue, ok, et tue les ennemis affaiblis par l'arc créé, affaibli, ok, par l'arc créé des traces ioniques. Donc ce fameux truc qu'on a eu plus haut, plus vous en ramassez, plus ça va augmenter vos capacités, etc. Lorsque vous voulez collecter une trace ionique, vous devenez amplifié. Ok. Donc en gros ça, le dernier, plus vous tuez d'ennemis, etc., plus en gros vous chargez vos capacités et plus vous devenez amplifié, plus vous rendez plus fort. Bon. Moi je partirais plus sur celui-là. Mais après, encore une fois, chacun sa façon de jouer. Si évidemment on veut bourrer, si on veut être très efficace et très fort avec nos capacités, en fait ouais, si on fait un build full capacité, par exemple sur nos grenades, tout ça et compagnie, je pense que lui peut être intéressant. Si on mise sur les grenades et le super, celui-là peut être cool. Et enfin, les titans n'étaient pas traditionnellement connus comme des parangons de mobilité, mais avec l'arc 3.0, l'équipe fait bouger les choses. Les équipes avaient quelques inspirations en tête pour la refonte du titan cryo, le bagarreur à points nus et le train de marchandises. Ah ok, donc en fait, pendant qu'il va mettre des patates, il va vous livrer vos colis Amazon par train et il va vous emmener à la gare Montparnasse. Parfait. Vous ne pouvez pas déplacer l'arc titan, déclare Humboldt. Il vous déplace. Le but ultime du titan cryo est de vous frapper au visage. Donc une grande partie de ce que nous avons fait pour ce titan était d'essayer de comprendre comment nous facilitons autant que possible le contact du point contre le visage.
Il s'est fait péter la gueule le week-end d'avant. Il a l'air d'avoir une obstination, une obsession pour un coup de poing à la gueule. Lui. Ce désir de frapper toutes les choses se manifeste dans quelques super dévastateurs qui reviennent pour l'arc 3.0. Fist of Havoc et Thunder Crash. Ok, Fist of Havoc, c'était lequel déjà? C'était pas le fait de frapper au sol en permanence. Non, c'était pas lui. Je me demande, j'ai un doute. Ah, je sais plus, Thunder Crash, c'est le fameux titan missile. Alors que ces derniers est pratiquement changé par rapport à avant, Fist of Havoc a maintenant un rayon de slam ajusté qui est à mi-chemin entre le chemin du haut et du bas, et le slam au sol laisse un champ dommageable dans son sillage, tandis que le claquement depuis les airs provoque un effet AOE dommageable du précédent. Je vais y arriver. Et c'est dans le comportement de l'art super. Désolé, je lis un peu trop, j'ai pas bu encore une fois. Bref, petit bug de cerveau, ça arrive, j'ai brain fart comme on dit. Dans le cas du Thunder Crash et d'autres capacités, découpler les capacités d'une sous-classe de lance. J'ai peut-être un AVC. Onde dévastatrice, c'est ça, merci. Système de diamant de sous-classe entraînera des buffs substantiels en fonction de la façon dont les joueurs l'utilisent. C'est l'un des avantages intrinsèques que le nouveau système subclasse 3.0 apporte à Destiny. Lorsque vous commencez à les associer à différentes choses, même si rien n'a changé dans la capacité réelle, ils peuvent finir par devenir considérablement plus forts en conséquence car ils ne sont plus enfermés dans un ensemble d'avantages en conserve qui les entourait, a déclaré Humble. Thunder Crash en est un excellent exemple. Ok. L'un des plus grands changements apportés au Titan Cryo est la nouvelle capacité du classe Thruster. Ok. En appuyant deux fois sur un bouton, le Titan explose dans la direction de l'accélérateur à grande vitesse. Quoi ? Effectuant une évasion rapide à la première personne comparable en distance à l'esquive d'un chasseur. Arc est le type de dégâts qui concerne la mobilité. Donc si nous avions ajusté un boost de mobilité n'importe où, ce serait ici. Attends, quoi ? Titan explose dans la direction de l'accélérateur à grande vitesse. Une esquive sur le Titan. What the fuck. Bah en vrai c'est cool. Bah je trouve ça plutôt cool. Pour les attaques de mêlée, les Titans conserveront la charge d'épaule Seism Strike, donc ça c'est cool, qui aveugle les ennemis, effectue une frappe sismique alors qu'elle est amplifiée, augmentera le rayon de l'aveuglement et l'effet d'aveuglement. Ok, le rayon de... Et l'effet aveuglant durera plus longtemps. Ballistic Slam revient également. Les joueurs peuvent frapper le sol après avoir sprinté dans les airs, créant une explosion dommageable lors de l'impact. C'est pas mort venu d'en haut, ça, je crois. Je sais plus. Enfin, c'est le truc qui correspond à mort venu d'en haut. En gros, vous sautez, vous frappez le sol et ça laisse un rayon, comme c'est expliqué. Ces mêlées de retour sont. Le Titan a l'air exceptionnel. Pour le coup, le Titan a l'air exceptionnel. En termes de cryo, pour le moment, c'est celui qui m'emballe le plus. Avec peut-être l'Arcane et en dernier le Chasseur. Ces mêlées de retour seront rejointes par une toute nouvelle attaque chargée connue sous le nom de Thunderclap. Ici, le joueur Titan maintient le bouton de mêlée et charge l'énergie Cryo qui peut être libérée dans un coup rapide et puissant ou maintenue et construite pour être libérée dans une explosion furieuse du style One Punch Man qui dévastera un adversaire. Mais what? Mais quoi? L'état chargé ne peut pas être stocké, le Titan doit être au sol pour charger le coup de poing, les dégâts sont importants. Un coup de tonnerre chargé à 90% fera un coup de gardien en joueur contre joueur, mais cette récompense sera équilibrée par le temps qu'il faudra pour accumuler ce niveau de charge et le fait que vous devez rester immobile pour charger. Toujours un mouvement dangereux en PVP. Mais what? Non mais le Titan il va être incroyable. Le retour du one-shot, ouais, mais apparemment, pour le mettre en place, c'est vrai qu'il faut quand même être... Mais par contre, je vois tout de suite les mecs accroupis dans un coin qui vont charger leur coup de poing et ils vont attendre qu'un mec passe et boum, quoi. Ça, c'est quasi sûr en PvP. Comme les autres sous-classes, l'arc 3.0 du Titan a trois aspects parmi lesquels choisir. Touch of Thunder, donc touche d'éclair, quoi. Améliore les grenades cryo de manière suivante. Donc Flashbang déclenche une impulsion aveugle supplémentaire de son premier rebond, ok. Pulse, voilà, c'est elle que j'aime, c'est la Pulse Grenade, moi. Lorsque la grenade endommage un ennemi, elle crée une trace ionique pour le Titan. Donc, on rappelle la trace ionique qui vous permet, quand vous la récupérez, d'augmenter vos capacités, etc. Bref, les dégâts de la grenade à impulsion, c'est sa grenade à impulsion, du coup, augmentent avec le temps car la grenade persiste après l'impact. Ok, cool. Lightning accorde une charge supplémentaire pour la grenade Lightning et secoue les cibles lors de l'explosion initiale. Ok, jusqu'ici, on n'est pas trop mal. Tempête crée un nuage d'orage itinérant qui se déplace et suit les ennemis, similaire au silence. Et Squall Super du Stasis Hunter tirant des éclairs sur le sol en dessous. The fuck. Ok. Juggernaut. C'est un peu... Putain, Juggernaut, on le voit dans Call of. Mastodonte. Voilà, c'est ça. En sprintant avec une énergie de capacité de classe complète, le Titan gagne un bouclier frontal qui bloque les dégâts entrants. Lorsqu'il est amplifié, le bouclier est plus fort. Une fois que le bouclier est épuisé, en subissant des dégâts, l'énergie de classe du joueur est épuisée. Mais attends, mais c'est n'importe quoi. Le Titan, c'est n'importe quoi. Mais moi, je vois déjà dans 3 semaines le Titan qui se fait nerf, quoi. Knockout, les éliminations corps à corps déclenchent la régénération de santé en amplifiant le Titan.
tout est pété. En fait, vous allez récupérer votre vie, vous allez faire des dégâts de, vous avez une esquive. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est un vrai tank pour le coup. Blesser gravement un ennemi ou briser son bouclier augmente la portée des dégâts de mêlée pendant une brève période. La mêlée de base du titan devient renforcée par le cryo pendant que le knockout est actif. Pour compléter les aspects spécifiques à la classe, Arc 3.0 introduira également une suite de nouveaux fragments qui offrent de nouveaux avantages à développer ainsi que des bonus ou des pénalités aux statistiques intrinsèques de votre gardien. N'importe quoi. En voici un aperçu de quelques-uns des fragments à venir. Ok, donc étincelle de balise lorsque le joueur est amplifié. Donc on rappelle juste faire quelques frags, etc. Les attaques d'armes spéciales. Cryo crée une explosion aveuglante. Non mais. Non mais c'est pas possible. Sortez votre casse-cou. Je vous le dis tout de suite. Sortez votre casse-cou ou le 7ème séraphin. C'est bon. Vous jouez avec ça, c'est terminé. C'est n'importe quoi. Étincelle de résistance. Lorsqu'il est entouré d'ennemis, le joueur bénéficie d'une résistance aux dégâts accrus. Celui-là est cool aussi. Glisser sur les munitions rechargera votre arme, accordera une petite quantité d'énergie de mêlée. Glisser sur les munitions lourdes augmente la quantité d'énergie accordée. Non mais. Mais quoi ? Étincelle de choc. Les grenades cryo du joueur secouent les ennemis et les aveugles, quoi. Enfin, les stun up. Mais what the fuck ? Dans l'ensemble, les changements apportés à l'arc 3.0 donneront aux gardiens plus de moyens de faire souffrir les ennemis de l'humanité tout en permettant aux joueurs de personnaliser leurs gardiens selon la façon dont ils veulent jouer. Les fans auront la première chance de voir arc 3.0 en action lors de la vitrine Destiny 2 de la semaine prochaine qui aura lieu le 23 août. C'est n'importe quoi. Je vous dis tout de suite, le titan, c'est celui que je joue en premier. Non mais clairement, je pense que le titan cette saison encore va être incroyable.